Salut, salut et bienvenue dans le Vlogmas numéro 3. Donc là, il est 8h16 et j'ai les carreaux complètement dégueulasses, mais vous avez l'habitude, n'est-ce pas? Alors, il faut que je vous raconte mon petit week-end. Ça se voit que j'ai passé un week-end mouvementé. Donc, mes cheveux, vous voyez pas trop. Enfin, si vous voyez mon crâne bien rose. Bon, je vais déjà vous montrer mes cheveux. J'ai refait des expériences capillaires et je vous montrerai à la lumière du jour quand il fera clair, hein, quand il y aura de la lumière du jour. Et voilà ce que ça donne. Donc non, ce n'est pas pour ressembler à Amy que j'ai fait du rose, c'était pour tester et franchement j'adore. J'ai préféré quand même le mauve, j'aimerais bien retester le mauve dessus, mais bon, j'ai tellement de bleu à utiliser que le prochain on refait du bleu. Après, comme là il y a le rose, ça va peut-être faire un peu du mauve comme elle disait, donc voilà. Alors attendez, je reprends mes petites notes pour savoir ce que j'ai fait mon week-end, parce que hein, j'oublie tout, donc commencer à avoir l'habitude, il faut que je note. Donc le vendredi, une fois que je vous ai laissé dans le précédent vlog, j'ai fait des vidéos et du montage. Je ne sais plus trop ce que j'ai tourné, mais j'ai tourné. Hier, j'ai fait le make-up rouge et blanc de cette année. Samedi, j'ai fait donc ma décolo. J'ai d'abord fait la décolo. Bah, je vous montre ici ce que ça a donné, ce que ça donne juste avec la décolo. Alors oui, j'ai eu la main un peu lourde, mais j'ai mis tout le produit que j'avais cette fois-ci. Et ici, les mèches, je les ai fait un peu trop rapprochées, donc ça fait un gros placard. Mais bon, voilà, je m'en fous. Après, quand j'en aurai marre, j'en remettrai de la teinture noire par-dessus tout. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le bleu quand même. Mais là, j'aime beaucoup. Après, on a été chez ma belle-sœur déposer le... Je ne sais pas si je vous ai dit l'heure, il est 8h17. On a été déposé à Saint-Nicolas chez ma belle-sœur pour le petit. Et quand je suis revenue, j'ai donc fait la colo rose. Et franchement, j'aime beaucoup. En haut, avec les éclairages en haut dans le bureau, j'ai vu ça en tournant la vidéo hier, ça fait un peu plus roux. Mais ici, ça fait vraiment rose, rose pinard. Hein, Amy? Oui, on s'est pris un petit délire avec le pinard ce week-end, là. Et voilà, bah, écoutez, hein, là, ce soir, j'irai à la douche. J'ai encore devoir laver mes cheveux. Les pauvres, je les ai jamais lavés autant. Je crois que sur le week-end, là, je les ai lavés plus que ce que je les lave en 2 semaines, 3 semaines, quoi. Pour enlever le rose de mon crâne. Aujourd'hui, ça va pour la vidéo. Je dois encore mettre un bandeau. Enfin, je vais mettre un bandeau. Aujourd'hui, je tourne le Disney Challenge du 22. Alors, attendez, je reprends mon planning pour être sûr. Ouais, du 22. Voilà. Là, j'ai toutes les vidéos de la semaine qui vont arriver. Enfin... qui vont passer pour moi, mais qui sont passées pour vous, qui sont prêtes. Celle de lundi est prête. Et là, je vais attaquer le reste de la semaine. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Sinon, Colline Marie, toujours pas de nouvelles. Elle doit attendre le 17. Là, j'étais en train d'actualiser le suivi et il bouge pas. Pardon. Elle n'a toujours pas bougé, donc je ne sais pas. J'ai refait une commande Chine. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête. Là, j'étais encore dessus ce matin, mais ça va, j'ai rien ajouté au panier. Ah si, je crois que j'ai ajouté un truc, mais pour Georges, mais je vais pas commander maintenant. Donc, je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu, hein, dans un vlog. Voilà. Bah, écoutez, on va ouvrir les calendriers. On va faire ça. Donc, je vais commencer par les petits chocolats. Alors, je viens de me brosser les dents, c'était une très bonne idée. Donc on est le 13 je crois. Oui, 13. Alors, 13, monsieur sexy, on mange son aisselle aujourd'hui. Encore un peu, il était par terre et j'avais rien. Voilà. Un peu le goût de couscous l'aisselle. Hein. C'est Nico ici. Ils sont durs à sortir des fois. C'est une petite voiture. Ou un tracteur, un train. Bon. C'est un véhicule.
Alors, on passe à essence. Le 13, le 13. C'est un grand. Voilà, vous allez voir. C'est les goodies, mais des goodies intéressants. C'est des strass et des perles et des étoiles autocollantes. J'arrive pas du tout à choper. Il est en train de démantibuler le bazar. Ouais, ils sont beaux. Ils sont très jolis. Donc ça, ça va bien me servir. C'est totalement le genre de truc que j'adore. Hein. Je crois que vous avez l'habitude. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer aussi, quand j'ai été faire mon tatouage, je crois que j'ai oublié de vous le dire dans le précédent vlog, on parlait d'arbre à chat avec la tatoueuse, hein, qui est la fille de ma belle-sœur. Et du coup, elle m'en a donné un pour les chichous. Mais vous allez voir, il est monstrueux le bazar. Donc attendez, je vous montre. Donc pour l'instant, ils vont pas sur les deux dernières plaques là, ici au-dessus, mais ils vont dans tout le reste. Ils s'éclatent avec. Alors ils sautent là dans les échelles, ils vont dans la petite cabane, dans le hamac. Après, il monte sur le bureau. Cuny va sur le bureau de monsieur. Mais voilà. Par contre, il faut que je lave mes housses. Elles sont dégueulasses avec les pattes du chien. Là. Donc voilà. Bah écoutez, il s'amuse bien avec ça. Contente parce que je voulais vraiment en acheter un, mais c'est hyper cher. Et là, elle me l'a donné. Donc, je suis bien contente parce qu'ils vont vraiment dessus. Et là, ils sont... bon, ils sont en train de glander, de s'endormir. Voilà, bon, je vous reprendrai tout à l'heure pour... enfin, tout à l'heure ou demain, je ne sais pas, suivant, parce que là, je vais aller faire mon teint, je vais aller tourner ma vidéo. Je vais mettre mon chauffage d'abord pour ne pas avoir froid mon cul en haut. Donc, pour ne pas vous spoiler, je vous reprendrai soit quand je suis démaquillée, soit demain pour vous montrer à la lumière du jour les cheveux. S'il se passe quelque chose, ma foi, je vous reprendrai entre-temps, mais je vais essayer que le vlog soit un peu plus court que le dernier, parce que 1h20 de vlog, ça va plus, là, les gens, hein. J'en ai plein qui m'ont dit « Ouais, cool, il est long. » Oui, bah oui, mais bon. Plus c'est long, plus j'ai du temps de montage et plus il est long à importer sur YouTube. Donc, c'est chiant. Voilà. Je vous ai raconté mon week-end. Cette semaine, on va faire les ongles de Noël. Voilà. On se fera un petit masque aussi de Noël avec ceux de Noël d'action, là. Alors, Georges, ça y colle que demain, donc mardi et jeudi. Donc ça va être assez chiant après, enfin là il est au lit encore, hein, donc aujourd'hui il y a la copine d'Enzo qui vient jusque demain, et voilà, sinon ouais, ça va, je pense pas qu'il va se passer grand chose, sauf si le colis de Marie pourrait réapparaître d'un coup, franchement ça m'énerve, elle me dit oh, ce qui m'inquiète c'est le tableau, mais je te le referai, mais ouais mais bon ça lui fait perdre du temps, de l'argent, elle a envoyé le colis, ça coûte bonbon, elle a toujours pas bougé, hein. On verra bien. Ça m'énerve vraiment, quoi. Voilà. Enfin, bref. On peut rien y faire. Elle va aller raguler le 17, là. Tout à l'heure, elle me disait vivement le 17 que je puisse aller gueuler. Bah, écoute, fais-toi plaisir, va gueuler. Hein. Mais c'est malheureux qu'ils ont eu... J'ai un poil qui me chatouille. Qu'ils ont eu deux réclamations, là, quand même. Hein, entre moi qui en ai parlé d'un côté, du côté belge, et elle du côté français. Et que ça le fait toujours pas bouger. Ils auraient pu se dire, hé, les gens, il y a un colis qui traîne. Non, rien. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ce, soit on switch le moment, si je passe quelque chose, soit on switch le jour. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité, hein, parce que là, je suis très blanche, blanc-blanche, hein. Voilà. Il est 8h, 7h58. Je vous prends, on va ouvrir les calendriers, parce que là, j'ai déjà lissé mes cheveux, j'ai fait mes soins, j'ai brossé mes dents. Je dois prendre mon linge, et ensuite, j'irai filmer une vidéo et demie. Voilà, je dois tourner un make-up pour une vidéo où il y a deux make-up et les produits finis. Donc voilà, donc vous allez avoir les produits finis mardi, mais vendredi, vous avez eu mon make-up de l'année terminé. Voilà, toute ma consommation de make-up de l'année. Donc là, on va déjà ouvrir les calendriers de l'avant. Je crois que ce vlog va être extrêmement chiant parce que j'ai rien vraiment d'incroyable cette semaine. Comme chaque semaine, vous voyez. On est combien aujourd'hui? Attendez, il faut que je vérifie quel jour on est. 14.
Alors, mamie va prendre son petit déjeuner. Le 14 des monsieur sexy. Quelle partie du corps nous allons manger aujourd'hui? Ah bah rien. Ici en dessous. On mange son tibia. C'est pas très sexy. Ah, mais j'avais pas vu, il y a des messieurs sexy en dessous après. Oh! Ah ouais, mais pas entier. Hein. En fait, il y a plusieurs petites images en dessous. Oh, un petit fruit. J'avais pas vu ça. Ah, 15 jours pour que mamie découvre quelque chose. Et le 14, ici, Papa Noël. Hop, et c'est une cloche. Voilà. Alors, je cherche l'essence. Ça coince. Ah, il est en tout, c'est un long. Donc comme on a déjà eu le crayon, ça doit être un deuxième pinceau. Puisqu'il y a toujours au moins deux pinceaux. En principe, ils en mettent un pour le teint aussi, mais je sais pas. Je ne sais plus si c'est pas sûr, mais, hein. C'est bien un pinceau. Oh, un peu, je renverser mon café. À mon avis, c'est un pour les yeux encore. C'est un estompeur. Donc de la même collection. Voilà. Que j'aime beaucoup, donc ça me dérange pas. Je sais plus si un. Ah, il y a encore un pinceau derrière. On voit. Vous voyez, là. Le 19. C'est pas marqué. Eyeshadow. Donc je crois pas qu'il a de pinceau highlighter cette fois-ci. Il faudrait que je regarde, il y a encore des grandes cases. À part le 14. Ah, le 16, on a encore une grande case. On verra bien, écoutez. Moi j'adore leur pinceau highlighter. Donc voilà pour les petits calendriers. Il faut que je mette ma crème sur mon tatouage aussi. Je me suis gratté toute la nuit sur le tatouage. C'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, voilà. Je viens de terminer mon petit sérum comme ça de chez Revuel. Donc là, je vais utiliser soit le Physician Formula que j'ai eu dans le swap, soit le Milani. Je pense au Physician Formula parce que j'ai bien besoin d'hydratation en ce moment. Voilà, sinon j'active toujours le suivi de Maryse, mais il y a peu d'espoir. Comme elle dit, il doit être bloqué en dessous des autres paquets et du coup, je ne le recevrai pas, quoi. On verra, le vendredi, à partir de vendredi, elle peut aller faire une réclamation. Donc, elle est impatiente d'aller gueuler. Sinon, ouais, j'ai rien d'intéressant à vous partager. Ce soir, je vais faire mes ongles, donc demain, je vous montrerai mes ongles. Je voulais vous les filmer, mais moi, je l'ai fait le soir en regardant des vidéos, donc la journée, c'est trop chiant. Donc, je vais faire mes ongles de Noël. Je vais les faire sur mes ongles naturels, hein, je vais pas... Là, ils ont pris... j'ai mis mon soin dessus et ils ont pris la couleur rose de la colo. Et j'ai été à la douche et du coup, le rose du crâne est un peu parti. J'en ai encore un peu, mais... Et voilà ce que ça donne avec les cheveux lissés. Donc, tout à l'heure, j'essaierai quand même de vous les montrer à la lumière naturelle. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec le bleu et, ou du mauve. Mais bon, du mauve, j'en ai plus. Bon, ici, ça fait un gros placard de mèche. Je les ai un peu trop serrés. Mais oh, j'aime bien. Voilà. Écoutez, je suis contente du rendu. Des conseils d'Emmy. Parce que... Elle arrête pas de dire vive elle. Mais voilà, ça donne super bien. Attendez, je vais essayer de vous montrer du dos. Comme ça, je vois aussi. Voilà. Je suis fan de mes cheveux. Et en plus, quand ils sont lissés, j'aime beaucoup. Et vous aimez beaucoup aussi. Donc écoutez, c'est tout bien.
Par contre, ça me chatouille tout le temps ici. Je crois que c'est le sérum qui me chatouille comme ça, la face. Je dois être allergique à un composant qu'il y a dedans. Pourtant, c'est juste de l'hydratation. Matte Effect, ah, c'est peut-être ça. Hibiscus et fission complexe. Bon, c'est quoi, hein. Voilà. Sinon, ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, on va switcher le moment parce que sinon, je vais vous dire voilà, en boucle. Je vais mettre mon petit baume à lèvres. Le tissu que j'ai eu dans le swap de la part d'Amy. Il est trop kiki. Donc, ils viennent de chez Action, hein, ceux-là. Je les avais déjà vus plusieurs fois. C'est trop mignon. Ça fait comme les EOS qu'on n'entend plus parler non plus. Hein. Voilà. Bon, je vais aller pendre mon linge. Après, je ferai mon teint. Puis, j'irai déjà filmer mon make-up. Et ensuite, je pourrai tourner les produits finis. Comme ça, je recommence avec un panier vide pour l'année qui arrive. Et voilà. Allez, à tantôt. Alors, il est... je crois qu'il est 10h, un truc comme ça. Je vous reprends juste pour vous montrer à la lumière du jour mes cheveux. Gros beau. C'est magnifique. Et ça, c'est un qui roulait encore à 50, n'est-ce pas? C'est magnifique, n'est-ce pas? J'adore. J'aime trop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec du bleu et du mauve. Mais franchement, cette couleur-là, j'adore. On va encore dire que je ressemble à Amy, mais j'aime trop. Voilà. Alors, ce make-up, vous l'aurez bientôt. Les chichous dorment. Là, les chiens mangent. J'attends que le gros rentre. Et puis, j'irai tourner mes produits terminés. Et voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Toujours pas de colis en vue. Hein, mais si jamais, je vous reprends. Mais... Oh, j'aime trop mes cheveux. J'aime trop. Regardez comme il y a des mèches qui ont super bien pris la décolo et la recolo. Ah, oh, c'est trop beau. Mamie, elle est contente. Oups, pardon. J'en ai fait baver à mes cheveux, là. Mais j'aime trop. Voilà. C'est trop beau. Bon. Ouais, sur ce, je vous reprends si jamais il y a le colis, mais par contre, j'ai une mèche rebelle. Ça serait totalement étonnant. Sinon, bah, on switch les jeux de jour. Bon, je vous reprends parce que finalement, le colis de Marie vient de réapparaître dans un état pitoyable. J'ai dit au facteur, j'ai dit, bah, il est vivant ce colis là. J'aurais dû l'avoir le 29. Il me dit, bah, en tout cas, il est en piteux état. Voilà, donc ils l'ont recollé tout le tour, n'est-ce pas? Donc on va l'ouvrir tout de suite pour voir s'il n'y a pas de casse. Hein. Ça m'a aidé. Je suis en train de tout faire tomber. Punaise! Bon, allez, je le pose et j'arrive. Il y a encore une boîte dans la boîte. Et au fond, il y a le tableau. Oh, avec des beaux petits trucs! Personnalisé en plus. Oh, c'est trop beau. Voilà. Donc, elle m'emballe et sort encore un peu comme c'est trop mignon. Oh, vite, j'ai envie de voir. J'ai trop envie de voir. J'espère qu'il n'est pas abîmé. On va les dans du papier bulle après. Bon, il n'a pas l'air abîmé. Oh, j'ai impatient, j'ai envie de voir. Je l'ai vu en photo, mais j'ai envie de le voir en vrai parce que c'est pas du tout la même chose. Alors, vous êtes prêts?
Oh, que c'est beau! Oh, que c'est bien fait! Oh, mam, c'est trop beau! Regardez, c'est moi. J'ai l'impression d'être une star. Oh, j'adore. Oh, je vais l'accrocher au mur. Bah oui, forcément, c'est un tableau. Mais je vais voir où je vais le mettre. Donc, on va ouvrir le deuxième cadeau qui s'est ouvert un petit peu en dessous. Donc, je vais l'ouvrir à l'envers. Protection, protection. Normalement, il ne devait pas y avoir de casse. Normalement. Du papier bulle. Une enveloppe à bulle. Ah là, c'était bien, bien, bien protégé. Et c'est. Elle est folle. Je le savais, hein, elle m'avait dit qu'elle allait me la prendre. Elle se l'est achetée. Et elle m'a dit, je te l'ai acheté aussi. Donc c'est la Méga Célestial Odyssée de Patmaglouf. Voilà. Donc bien sûr, on fera un swatch et le make-up. Ah, mais c'est pour la dernière semaine. Je l'ai programmé pour la dernière semaine parce que je pensais bien qu'il y aurait un petit peu de retard. Oh, mais c'est trop beau. Ça va me faire pleurer. Elle a écrit sur la palette. Pour ma fille de cœur, Marise. Mais c'est trop chaud. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de casse. Il n'y a pas de casse. Oh, ça va. Oh, c'est trop beau. Et ce phare. Donc, je touche pas maintenant puisqu'on va vraiment faire un swatch de make-up. Mais waouh! Elle est magnifique. Le packaging, n'en parlons pas non plus. Mais alors, ce fard-là, le vert, le bleu. Oh là là, celui-là, je l'ai mis. Alors, dedans, il y a quatre mattes. C'est ça qui est un peu chiant. C'est vraiment le genre de palette. Moi, je dis pour vraiment faire un make-up basique, quoi. En fait, vous faites tout le temps la même forme avec. Enfin, tout le temps la base. Pareil avec les mattes et vous changez juste les lumineux, ça vous fait plein de make-up différents. Mais waouh, j'ai hâte de mettre mes petits pinceaux dedans. Hein. Merci, mam, c'est adorable. Et j'ai enfin ton adresse pour pouvoir t'envoyer le tien, hein, puisque tu ne me la donnes pas. Donc je t'enverrai le tien. Tu l'auras un peu en retard après Noël, mais tu l'auras quand même. Hein. Voilà. Je sais que tu voulais pas, mais tu en auras un quand même. Voilà, donc, mam, je te remercie du fond du cœur. Ça me donne envie de pleurer, rien que le petit mot dessus. C'est adorable. Adorable. Et oui, c'est vraiment ma maman de cœur aussi. Voilà. Et c'est noté sur la palette. Donc, j'oublierai jamais. C'est génial. Génial. J'adore. J'adore. Je suis trop touchée. Voilà. Merci, mam. Voilà, je sais pas quoi dire à part merci. Je vais t'envoyer un petit message vocal tout de suite. Donc maintenant, on peut switcher de jour. Et alors, je vais vous donner la date pour le swatch and make-up. Mais c'est vraiment pour la dernière semaine. C'est pour le mercredi 29. Voilà. Parce que j'avais vraiment anticipé au cas où il y aurait eu un problème de livraison. Et il y a déjà qu'il y en a eu un gros. Franchement, elle disait que c'était pas possible qu'ils réapparaissent. Je disais, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on les emmerde avec cette palette, donc il y a peut-être moyen que, hein. Donc voilà. Donc, mam, je te remercie encore du fond du cœur et tu es vraiment une personne adorable et très importante dans ma vie, même si on ne s'est pas encore vu. Mais c'est pour bientôt. Et voilà. Donc, on switch de jour. Alors, il est 8h moins 10. Je suis arrivée depuis 6h30 alors qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Je vais vous montrer Chichou pour Maël parce que sinon il va me péter un scandale. Et comme c'est un fidèle sujet, je n'ai pas envie de le perdre. Donc, je m'exécute quand il me demande quelque chose. Bonjour les bébés, bonjour coucou. Tu dis bonjour à Maël? Non, pas mes ongles. Je vais vous montrer mes ongles après. Bonjour bébé Luna.
Bonjour Queenie, bonjour mes bébés, ils sentent ma crème hydratante. Gougou regarde si je lui donne quelque chose à manger, mais pas à maison, Luna. Bonjour mon bébé, non, 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 qu'est-ce que tu fais? Arrête de manger mon gilet. N'essaye pas de te sauver, hein. Non, 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 non. Bonjour mon cœur, bonjour mon petit cœur, qu'est-ce qu'il est redevenu câlin. Arrête de manger ma crème. Non, 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 tu sors pas. Non, 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 tu sors pas. Bonjour les jambes. Bonjour Luna. Bonjour Luna. Queenie est toujours un peu plus distante. Ça dépend des moments. Il y a des fois où elle vient tout le temps près de moi. Il y a des fois où elle n'a pas envie. Mais c'est coucou le pépère câlin, quoi. Voilà. Là, il mange ma bague. Ah, Luna vous dit bonjour. Bonjour Luna. Bonjour Pépé Luna. Arrête avec ma bague, coucou. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma main? Tire ma main vers lui. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hé! Non! Pas. Elle mange mon téléphone. Enfin! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hé! On n'écoute plus rien? Tu montres comment tu fais des bisous à maman? Viens faire des bisous à maman. J'ai passé l'aspirateur hier soir. Hein. Attendez, je vais essayer de filmer pour vous montrer les bisous. Toi, tu restes là. Bisous, maman. Bisous mon bébé. Non, Gougou, me pousse pas pour essayer de te barrer. Bisous, Queenie. Non? Oh, bisous, maman. Tu vas me mordre le nez, bien sûr. Je sais pas si c'était bien cadré, mais. Et Gougou aussi fait des bisous. Va faire des bisous. Non, tu sors pas. Il est en dessous, il attend que je l'ouvre. Non, non, on sort pas maintenant. C'est le soir qu'on sort. Je vais essayer une fois de vous les filmer le soir. Ils sont tellement marrants. De temps en temps, je fais des stories, mais pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous les voyez pas. Bon, je vais fermer. Et parce que là, il me mord pour essayer de se barrer. Tu fais un bisou, Luna? Fais un bisou au téléphone? Bisou au téléphone. Bisous les gens. Bisous les gens. Oui. Tu étais belle. Moi, oui, tu étais belle. Hein, c'était un peu le fifi à un moment. Hein. Non, 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 t'essayes pas de te barrer non plus, s'il te plaît. Bon, attendez, parce que là, c'est la fugue assurée. Allez, bouge pas, Gougou. Non. Non, non, non. Allez, on ferme. Ah, ils sont motivés le matin. Hein. C'est des animaux nocturnes, donc tôt le matin, ils sont en forme. Hein. Ça y est, maintenant, Gougou va faire la gueule. Tu fais la gueule, bébé Gougou? Tu fais la gueule? Tu fais la gueule, mon pépé? Oh, il fait la gueule. Ça y est, fais la gueule. Qui c'est qui parle? C'est qui parle à maman? C'est Queenie? Tu parles à maman? Tu parles à maman, ma Queenie? Bonjour, bébé Luna. Allez, on fait dodo maintenant. C'est l'heure du dodo pour vous, hein? Ben oui. Je profite aussi pour vous montrer le tableau, ce qu'il donne. Franchement, il est magnifique, quoi. Oh là là, c'est tellement bien fait, Maryse. Oh, quel talent. Quel talent, quel talent. C'est trop beau. Voilà, j'adore. Donc je l'ai mis là parce que là je le vois de partout dans ma maison. Donc il est au-dessus de l'arbre à six sous. Mais au moins je le vois de partout dans la maison. Je le trouve tellement beau. Même les garçons et chéris, ils ont dit waouh, c'est trop bien fait et tout. Oh, je suis totalement fan. Voilà. Du tableau, hein. De moi aussi, mais surtout du tableau. Donc je vous reprends au bureau, je sais pas si je suis bien centrée, là je suis à l'envers. Je vous reprends du bureau, on va ouvrir les calendriers. Ah, et j'ai un truc à vous annoncer, tiens. Donc je vous reprends tout de suite. J'essaie de me centrer pour pas que vous voyez trop le bazar, hein, parce que Géry m'a toujours pas descendu les caisses. Il y a la caisse de Maryse qui traîne maintenant et mon linge qui sèche encore. Donc voilà, j'essaye d'orienter pour pas que vous voyez trop le bordel. Donc on va commencer par les calendriers. Hop, on va commencer par mes petits chocolats, vu que je vais devoir me refaire un café. Alors, on est le 15, je crois. Déjà? Oh oui, on est déjà le 15. Alors, chez Nico, nous avons. Je pense que c'est un traîneau du Père Noël. Ah non, c'est un canard. Rien à voir. Voilà. Un petit canard. Il reste déjà plus que 9 jours sur les calendriers. Ici, on mange une burne. Voilà. Ah,
j'ai mangé, ça c'est bien. J'ai pris mon petit déj, il tient plus là. Et je cherche le 15 chez Essence. Ici. Donc c'est un petit assez long, ça sent le rouge à lèvres, le baume à lèvres. Non, le vernis. Donc les vernis, je ne les garde pas, c'est pour vous. C'est un beau nude. Avec un beau packaging. J'ai un poil après ma bague. Oui, j'ai le chien qui mue, les chichous qui muent. Il est très beau. Bon, moi, j'en mets pas, donc voilà. Ça sera pour vous. Et à mon avis, le 22, c'en est encore un. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, bref. Voilà pour ça. Alors, attendez, je range. Parce que je dois jongler pour faire équilibre, pour qu'ils tiennent. Hier, j'ai dû rire moi-même parce que coïncidence de chez coïncidence. Hier, j'ai filmé On m'a demandé un smoky à paillettes facile pour les fêtes. Et du coup, j'ai décidé de vous faire deux make-up faciles pour les fêtes. Et j'ai utilisé la palette d'Indy avec Adezo, le mascara Adezo. J'ai commencé à faire le réel et tout, qui seront deux réels d'ailleurs, parce que comme je vous ai filmé le make-up en entier, bon, après, ceux qui regardent les vidéos, ça les intéresse pas forcément, mais j'aime bien m'amuser à faire le montage comme ça. Et du coup, le soir, j'ai Déborah, donc la créatrice de la marque Adezo, qui m'envoie un message en me disant « Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que le mascara te plaît toujours et tout. Est-ce que tu veux un code promo pour tes abonnés ?» Bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, elle va faire ça. Je sais pas si à l'heure où le vlog va sortir, il sera déjà actif ou quoi que ce soit. Elle me l'a pas encore donné. Elle m'a dit « Je te fais ça tout de suite, mais j'ai pas eu de nouvelles. » Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de codes à rentrer et tout ça pour faire le code promo. Donc, voilà. Vous allez avoir un code promo sur Adezo si vous voulez commander la palette d'Indy et le mascara. Franchement, j'adore le mascara. Il est un peu cher. Je ne me le serais pas acheté de moi-même, hein, forcément. Mais franchement, il est terrible. Donc voilà, je vous en dirai plus dans la vidéo de toute façon. Et je pense que... Je suis en train de lire mes mails en même temps, mes promos. Hein, et il faut que j'évite, parce que comme hier, j'ai encore fait une commande Shein, on va peut-être se calmer. Hein, voilà. Donc la commande Shein, du coup, comme j'en attends deux, je vous ferai un haul Shein. Alors, ce n'est pas des fringues. Hein, c'est un peu tout et n'importe quoi, en fait. Il faut que je me calme. J'ai encore commandé un bonnet. Genre, j'ai pas assez de bonnets. Je crois que j'en ai au moins 20. Il va falloir que je les trie. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc, je vous la mettrai en bonus plus tôt ou plus tard que les vidéos du calendrier de l'avant, quoi. Maintenant, il faut voir quand est-ce qu'ils vont arriver. Parce que la deuxième est censée arriver entre le 24 et le 27. Mais vu comment le colis de Maryse, il s'est un peu paumé à droite à gauche dans la Belgique, je suis pas sûre que je les aurai à temps. Donc, voilà. Je vous ferai ça... Et pour le swatch et le make-up de la palette Pat McGrath de Maryse, finalement, je vais vous la mettre le 31. Parce qu'il y aura moins de vues, de toute façon, sur un make-up que sur le Big Project Pan. Et le 31, il y aura moins de vues aussi, sur puisque les gens vont se préparer, tout ça. Et si, en plus, vous voulez vous préparer en même temps que moi, je pense que je ferai mon teint en même temps. Comme ça, on se fera un peu genre chit-chat make-up, voilà. Je vous filmerai peut-être ça. Ouais, je sais pas. Enfin, de toute façon, oui, je vais vous le filmer et je vous la programmerai pour le 31. Et comme ça, si vous voulez vous préparer en même temps que moi, le jour du réveillon du 31, ben, vous pourrez le faire, quoi. Voilà. Donc, il va falloir que je change mes intros, puisque j'avais déjà programmé mes intros. Mais j'ai pensé à ça hier. Voilà. Bref. Je raconte n'importe quoi. J'hésite aussi à changer mon fond, mettre mon fond d'hiver pour la dernière semaine du calendrier, puisque c'est plus vraiment le calendrier de l'avant, c'est le décompte de la nouvelle année. Mais ce que je voulais, comme je vais faire une palette 3 looks avec la CEP, ou alors je fais qu'un swatch et le make-up et je fais des autres make-up, je ne sais pas.
Je sais pas. Là, j'ai deux vidéos et demie pour la semaine prochaine qui sont tournées. Là, aujourd'hui, je vais en finir deux puisque je vais faire le deuxième make-up facile et tourner les produits finis que vous aurez mardi. Voilà, vendredi, il y aura un mukbang spécial Noël. Spécial Noël. Pour ceux du 24 qui fêtent pas Noël, tout simplement. Voilà, s'ils veulent ne pas être seuls pendant la soirée. Alors, ça sera pas très long, hein, mais il faudra la mettre en boucle à la limite. Et voilà, bah, je peux peut-être déjà vous donner le planning, comme ça c'est fait. Donc, lundi, le make-up rouge et blanc de cette année. Mardi, les produits finis. Le 22, mercredi, le Disney Challenge sur le thème de Fantasia. Le 23, deux make-up de fête faciles avec la palette d'Indie et Adezo. Le 24, mukbang de Noël. Le 25, la sceptre. Donc, je ne sais pas, ce sera une palette 3 looks ou un swatch de make-up, je ne sais pas encore. Et donc, le dernier vlogmas de l'année, dernier vlog de l'année, le dimanche. Voilà. Et après, on entame le décompte de la nouvelle année. Enfin, déjà le 26, c'est déjà le décompte, hein, de la nouvelle année. Et après, on sera en janvier. Ça passe trop vite. Franchement, le mois, là, il passe super vite. Putain, dans 9 jours, on est déjà à Noël, quoi. C'est déjà le réveillon de Noël dans 9 jours. Oh là là, bref. Bon, bah écoutez, moi je vais aller faire ce que j'ai à faire et puis je vais me préparer pour aller filmer. Là, je viens de faire mes soins, donc je vais attendre encore un peu. Voilà, et je pense qu'on peut déjà switcher 2 jours parce qu'aujourd'hui, il va strictement rien se passer d'exceptionnel. Georges a pas cours aujourd'hui, il a cours demain. Du coup, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Je sais plus du tout ce que j'allais vous dire. J'ai perdu mes mots en cours de route. Là, ils sont sauvés. Voilà. Donc, je ne sais plus. Il a école demain. Il n'a pas école aujourd'hui. Et ouais, après, oui, je vais aller à la sieste parce que ça fait 3 jours que je dors super mal. Et même à la sieste, je dors mal. C'est bizarre, mais je me demande si ce n'est pas bientôt la pleine lune. Attendez, je vais afficher les phases de la lune sur mon calendrier. Ah, ça va passer à pleine lune dimanche. Donc ça commence à travailler chez moi déjà. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok, bon, allez, sur ce, ensuite je jour, sauf si franchement il se passerait quelque chose, mais ça m'étonnerait. Donc on se retrouve demain. Alors, il est 7h52. Voilà, je suis fatiguée. J'ai deux vidéos à tourner aujourd'hui, mais dont le mukbang, donc ça va aller vite. C'est les deux dernières de Noël. Et ensuite, je vais changer mon fond pour mettre le fond d'hiver pour les dernières vidéos du calendrier avec le décompte de la nouvelle année. Donc ça, je pense que je ferai demain, mais je vous montrerai là, dans le prochain vlog. J'ai oublié de vous montrer mes ongles hier, donc je vous montre. Voilà. C'est très joli. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça ne veut pas vraiment faire le focus. Donc, j'ai fait des petits sapins ici avec du cat's eyes. J'aimerais bien qu'il me fasse un meilleur focus. Et du doré, des paillettes et tout ça, tout ça, tout ça. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Et sur les autres, j'ai juste mis du cat's eyes et des paillettes. Mais le focus, il ne veut pas. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais de toute façon, je suis accro au 4 sites. Je crois que vous avez compris. Donc on va ouvrir les petits calendriers. J'ai déjà commencé par les deux. Je suis encore tout tombé. Hein. Et après, je vais vous montrer. J'ai ma mère qui est passée hier qui m'a amené une déco de Noël, mais je vais la recustomiser. Je vous expliquerai ça en vous montrant. Donc on est le 15, hein, c'est ça? Attendez, je vérifie bien la date. Parce que mamie, elle sait plus. Ah, on est le 16. Ah oui, le 15, c'était une coucougnette, on a mangé. 16. Oh là là, ça passe vite. Ici. Pour les messieurs sexy. Donc, je mange mon petit cœur du matin. Chez Nico. On bouffe le cul d'un renne. Voilà.
Alors, c'est un rectangle. C'est une étoile filante. Et je cherche celui de chez Essence. Ça, j'ai pas dans le dernier tiroir. C'est un long. Donc ça sent bien le pinceau. Ah non. 5 ou 10 pour vous. C'est une lime à ongles. Toute pailletée. Voilà. Donc moi j'utilise absolument pas ce genre de. J'ai la fenêtre qui s'est barrée. Donc ça sera pour vous. Voilà, bon, c'était pas folichon, folichon. Demain, on ouvrira ce du week-end et la semaine prochaine, ce sera déjà les derniers. J'arrive pas en vrai. J'ai dit qu'il chatouille. Donc là, aujourd'hui, je vais tourner le swatch de make-up de la Michaela, j'allais dire non, c'est celle qui sort aujourd'hui. De la. Sceptre de Be Perfect, et du coup, comme il y a bronzer, blush, highlighter, je vais faire tout mon make-up avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup ça, je sais toujours pas pourquoi, mais je sais que vous aimez beaucoup ça. Elle me banque pour le 24, et je vous dis comme ça. Après, je vais mettre mon fond d'hiver, et je pense que je vais recycler des trucs que ma mère a mis sur la déco là. Je l'ai cassé déjà. Ne lui dites pas. Hein. En fait, c'est un scandale, mais je l'ai cassé déjà. Je l'ai cogné et le Bambi qui est dessus, il s'est cassé la gueule. L'arbre aussi. Bah venez, je vais vous montrer ça. Donc voilà. Ils ont fait ça. En fait, ils se sont amusés avec mon beau-père à faire ça pour vendre dans une brocante. C'est tous des trucs de Noël comme ça. Et ici, il y avait le Bambi qui était là comme ça, mais il s'est cassé la gueule. Et en fait, il y avait le petit arbre, mais qui était juste devant sa tronche. Comme ça. Vous voyez? Et du coup, comme je voulais qu'on voit le Bambi, j'ai bougé l'arbre, mais ça a fait tomber le Bambi. Mais bon, je ne le dis pas à ma mère. Mais du coup, je vais recycler pas mal de trucs. Les petites boules, là, ils iront très bien dans mon sapin l'année prochaine. Le petit Papa Noël, là, je vais le mettre en déco maintenant avec le bonnet. Ça, je vais mettre dans ma déco d'hiver, je pense. Donc voilà, je vais traficoter un peu tout ça pour faire quelque chose de plus joli. Enfin, de plus joli. C'est pas que c'est moche, hein, mais ça prend la place, quoi. Avec un magnifique Bambi. Il est trop beau, le petit Bambi. Et là, vous avez une boule de Noël marquée Merry Christmas du OU. Donc tout ça, je pense que je vais recycler. Mais c'est du vrai, quoi. Donc ça risque de pas tenir très longtemps. Voilà. J'aime beaucoup, c'est chouette. Et vous avez les petites loupiottes. Attendez, je vais essayer d'aligner. Voilà. C'est très joli. Mais après, c'est pas très stable l'écorce du tronc comme ça. Et puis la neige, j'ai horreur de la fausse neige. Ça me fout partout, c'est dégueulasse. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Le bras avec l'appareil, ça va être lourd. Donc voilà, je vais traficoter ça. Là, c'est mon sac avec les verrines pour le dessert du 26. Je vais traficoter quelque chose avec tout ça et vous verrez. Je vous montrerai demain parce que je vais sûrement faire ça ce soir tranquille devant des vidéos. Et voilà. Bah, là, je pense qu'on peut déjà switcher deux jours et rien de spécial. Je vais aller filmer, monter, roupier, comme d'hab. Ouais, je sais pas. On verra de toute façon s'il se passe quelque chose. Alors, il est 9h33. Je me suis levée plus tard aujourd'hui, puisque genre, je n'avais pas école. Mais je dors très mal en ce moment, donc je suis épuisée. Et en plus, j'ai un début de torticolis, donc j'ai super mal et ça me lance dans la tête. Donc aujourd'hui, c'est journée glandage jusqu'à ce soir, puisque je fais un live ce soir avec vous sur YouTube. Donc, je vous remets la rediff en barre d'infos. Donc aujourd'hui, c'est la journée du pull de Noël. Donc, j'ai mis mon pull de Noël de GGI. Voilà. Et maintenant, mamie peut se rasseoir. Alors, oh, je suis pas centrée du tout. Voilà, j'ai une tête de déterré, mais je vous dire, ça me lance tout le côté là, en fait. Le torticolis me lance jusque dans la tête, c'est affreux. Je vais mettre du réflexe prêt après, puisque je ne peux pas prendre d'anti-inflammatoire. On est content.
Alors, on va ouvrir le calendrier de l'Avent essence du week-end. Déjà, pour commencer. Le planning, je vous l'ai déjà donné. Hein. Je vais vous montrer après aussi les petites modifications de déco de Noël que j'ai fait, puisque j'ai enlevé mon fond de Noël des vidéos, enfin du fond de vidéo en haut, puisque maintenant on attaque enfin pour moi, hein, je vais commencer à tourner le décompte de la nouvelle année et après les vidéos classiques de janvier, donc ça sera le fond d'hiver. C'est ce que je vais faire ce soir avec vous en live, je vais installer le fond. Donc du coup j'ai redescendu, j'ai un cheveu coincé dans mon PC portable. J'ai redescendu le papa de Noël et tout ça, et ma boule de Noël ici. Et j'ai démonté le truc que ma mère m'a ramené hier. Hier, je sais plus. Mais lui dites pas. Hein, voilà. Donc on va commencer par le calendrier parce que là je dis n'importe quoi. Donc j'ouvrirai pas les chocolats maintenant. Parce que j'ai pas envie. J'ai trop mal la tête. Donc on est le 17, je crois, c'est ça? Attendez, ouais, c'est bien ça. Donc on a le 17, 18, 19 à ouvrir et la semaine prochaine ça finira pile. J'ai dit combien 17, 18, 19. Donc là il y a le 18. Là il y a le 19. Et bien sûr le 2, 17 c'est sur le dernier tiroir. Ouais. Alors il est ici le 17. Vous ne voyez rien hein, quand même. Et nous avons. Un Gucci pompe, un lip gloss. Je ne sais pas si je vais utiliser. Il a l'air beau, hein, c'est avec des micro-paillettes. Non, même pas. Non, bah, je vais vous le mettre de côté. Hein. Il doit sentir super bon. C'est un shiny lip gloss, mais moi, je suis déjà pas fan des lip gloss de base. Enfin, des gloss, quoi. Et en plus, sur ce format-là, j'aime pas non plus. Donc ça sera pour vous. 17, 18, ici. Ça sent l'highlighter, moi je dis. On n'en a pas eu encore. Aïe. C'est le même format que le blush. Ah non, même pas. C'est un goodies. Ça j'aime bien par contre. C'est soit vous les mettez en bracelet, soit en élastique à cheveux. Donc ça, j'adore. C'est des goodies que j'utilise tous les ans. Et une fois qu'ils sont détendus, ben je les jette, tout simplement. Donc ça, je garde quand même. Hein. Je garde de temps en temps quelque chose. Et 19, ici. Donc on est peut-être bien sur un pinceau highlighter cette fois-ci. Quand même, on n'en a pas eu encore. Bon, c'est emballé dans une petite pochette. Donc ça sent le pinceau. Ah non, c'est le eyeshadow. J'adore. C'est bien un pinceau, mais eyeshadow. Quoi. Avec des petites cannes à sucre. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et c'est un petit pinceau plat. Ah, qui est pas mal pour faire la partie du coin interne ou même le coin interne. Ça, de toute façon, les pinceaux, je les garde. Vous le savez. Et voilà. Donc, ben, écoutez, la semaine prochaine, il nous en reste 4 à ouvrir. Et ça sera déjà le réveillon de Noël. Et ouais, ça passe trop vite. Par contre, je pense que là... Ah, mais je suis en train de me spoiler toute seule. Il y a tout qui est noté derrière. Donc, ouais, il y a bien un highlighter qu'on n'a pas encore eu. Il y a la base ou le top coat qu'on n'a pas encore eu. Tiens, il n'y a pas de vernis rouge cette fois-ci. Il y a un deuxième baume à lèvres qu'on n'a pas eu. Les trois... Il n'y a pas de pinceau highlighter. Il y a un truc pour laver les pinceaux. Un recourbe-cils qu'on n'a pas eu. Voilà, donc il reste pas grand chose de super intéressant. Le recourbe cils, je le garderai pas. Ça, je vous le mettrai pour vous. Moi, j'en utilise plus avec le recourbement de cils. L'highlighter, je pense que je vais quand même le garder parce qu'il est très beau avec les petites étoiles. Le truc pour laver les pinceaux, je vais garder parce qu'il a l'air bien pratique. Et voilà. Le baume à lèvres, j'ai hâte. Mais je crois que l'autre, c'était un scrub. Je sais pas. Vous savez, je lis qu'à moitié, moi. De toute façon, je suis fatiguée. Alors, attendez, je refais ma petite pyramide pour lundi. Voilà, voilà. Donc ça, je vais pouvoir ranger, ben, vous savez quoi, les petits trucs, je vais les mettre en tant que bracelet. Je les aime beaucoup. C'est très joli. C'est tressé, comme ça. Et je vous dis, moi, je les utilise aussi en tant que... Comment? Qu'élastique à cheveux.
Voilà. Alors, oh, tout ça pour mettre un truc dans ma petite poubelle. Hein. Mamie est fatiguée, mamie a mal la tête, mamie elle est pas bien. Attendez, j'essaye de prendre des vitamines. Donc je vais vous montrer les décos de Noël. Donc j'ai déjà branché pour que vous voyez avec la guirlande ici. Voilà, après il faut pas que j'oublie de débrancher. Alors attendez, j'enlève les tubes de cigarettes hein, quand même, que vous ne les voyez pas. On essaye de faire les choses correctement, maintenant. Et je vous montre déjà le meuble ici, ce que j'ai changé. Donc voilà ce que ça donne. Il est trop mignon, hein. Oui, c'est trop mignon. Donc j'ai redescendu mon gros papa Noël, hein, que j'adore. Je l'aime d'amour, ce papa Noël. Et j'ai mis ma petite boule ici. Voilà, que j'adore aussi. J'en ai qu'une hein, de boule à neige de Noël. Il aime trop. Puis il y a toujours Teddy et Papa Noël ici. Et Bambi ici, évidemment, avec ses potes. Voilà, et j'aime beaucoup. C'est très joli. Alors j'ai enlevé la lanterne parce que la lanterne, je vais la mettre en haut. Voilà, donc on peut passer à l'autre meuble. J'ai mis la guirlande, je vais vous montrer, hein, je l'allume. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors il y a toujours mon sac de verrine, hein, et chérie a reçu hier la des fournisseurs du boulot une bouteille de champagne. Donc j'ai mis le petit bonnet, j'ai mis la guirlande, hein, le pet que j'avais eu dans le soir de la part de lui. J'ai mis le petit bonnet avec la guirlande et la boule de Noël ici. Donc, bonhomme là, et ici j'ai mis le petit papa Noël et le Bambi. Voilà. Bon, le Bambi après il restera. Hein. Les Bambis, moi je les mets en déco même quand c'est pas Noël, mais là je trouvais qu'il faisait bien dans le thème. Donc, voilà ce que ça donne. Oui, je modifie hein, de temps en temps. Hein. Et voilà. Là, il y a le petit colis pour Marie. Est-ce qu'il faut que je lui envoie je vais essayer de faire ça ce week-end ou le week-end prochain. Elle ne l'aura pas pour Noël, ça m'emmerde. Mais bon, tant pis, c'est son petit cadeau de Noël. Alors, ce matin, j'étais en train de regarder. Parce que sur Insta, hier, je vous ai demandé vos produits favoris pour faire une vidéo courant de l'année 2022. Forcément, hein, 2021 va bientôt être fini. Pour faire un make-up avec vos produits préférés, vos favoris, en fait. Donc, je vous ai demandé vos favoris par catégorie. J'ai regroupé ceux qui revenaient le plus. Et franchement, j'ai pas grand-chose à acheter parce que les trois quarts de vos favoris, ce sont les miens. Donc, je les ai déjà. C'est ça qui est génial. Il y en a quelques-uns que je dois acheter, mais comme c'est pas des marques chères, je vous adore, je vous adore. Moi, je me suis dit, on va me sortir du Charlotte Tilbury, du Too Faced et compagnie. On me l'a sorti, hein, mais pas... C'est pas ce qui est revenu le plus à chaque fois, c'est à chaque fois des petites marques. Donc là, j'ai déjà commandé deux produits et je ferai le reste de mes commandes quand j'ai ma paye, quand j'ai mon salaire lundi. Et je pense qu'on pourra le faire début 2022, donc, puisque j'ai pas grand chose à acheter et qu'en plus c'est du petit prix, donc c'est génial. Voilà, je suis bien contente et j'ai hâte de la faire cette vidéo là pour voir si vos favoris peuvent devenir les miens aussi pour changer un peu, puisque. Je vous influence beaucoup, donc est-ce que vous savez m'influencer aussi? On va voir ça. Après, je suis très difficile, moi. Donc, j'ai hâte de la tourner cette vidéo là parce que voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. Et mais je crois que Salomé l'avait fait. Il me semble que Salomé l'avait fait il y a un an ou deux. Ouais, facile parce que j'ai pas regardé une... Oh là là, j'ai pas regardé une seule de ses vidéos de l'année non plus. Je suis une très mauvaise abonnée, mais je décroche facilement. Salomé n'a pas trop changé, mais Marion, je me suis carrément désabonnée, quoi, parce que voilà, elle a beaucoup trop changé. Son contenu ne me plaît plus. En plus, je me suis désabonnée après la palette, quand elle a fait la vidéo sur la palette d'Indie. Elle a parlé pendant 15 minutes des produits où elle était payée pour le faire. Et la palette d'Indie, elle a bâclé le boulot. Elle n'a même pas parlé d'Indie, en gros. Je trouvais ça dégueulasse. Donc, je me suis désabonnée. Ça, voilà. Pour une fois que je regarde... C'est la seule vidéo de l'année que j'ai regardée chez elle. Et elle m'a énervée. Clairement, elle m'a énervée. Voilà. Je trouve qu'elle est tout le temps en train de se plaindre. Et... je veux dire, si t'es pas contente du boulot que tu fournis, déjà qu'elle en fait de moins en moins, puisqu'il y a quelqu'un qui fait ses montages, et sa sœur qui répond à ses mails et tout ça,
refuse un peu des partenariats, quoi, puisque hein, t'es pas obligé de les faire non plus. Mais bon, tu bosses pour avoir des sous, donc t'es bien contente d'empocher l'argent. Te plains pas du boulot qu'il y a derrière pour avoir l'argent, quoi. Je veux dire, ils vont pas te tomber tout cul dans le bec. Donc ça m'énerve. Laisse la chance à d'autres hein, qui le feront sans râler. Voilà. Alors elle se plaint, oui, vous ne vous rendez pas compte, je fais 3 vidéos par semaine et tout. Ben, je le fais aussi, je ne me plains pas, moi. Et moi, je ne suis pas payée pour le faire. Donc, Et puis, il y en a plein d'autres qui le font, quoi. Il faut arrêter 5 minutes. Elle n'a pas le... C'est pas celle qui fournit le plus de boulot sur YouTube. Hein. Voilà. Je trouve qu'elle a chopé la grosse tête dernièrement. Enfin, bref. Je vous dis, j'ai regardé une vidéo sur l'année et elle m'a énervée. Donc je me suis désabonnée, voilà, tout simplement. Après, je préfère regarder les petites youtubeuses qui sont plus simples et qui ne se prennent pas la tête, qu'on peut avoir confiance dans leur avis parce qu'elles ont payé elles-mêmes le produit et que c'est pas parce qu'elles sont payées pour faire une vidéo qu'elles vont... Après, j'ai l'impression qu'elles restent quand même encore assez honnêtes sur ses avis de produits. Mais c'est tout ou rien. Soit elle déteste et elle démonte le bazar, soit elle aime et elle n'en parle pas beaucoup plus. Donc, bref. Enfin bref, voilà. Sinon, je vous ai déjà donné le planning. Oui, ça fait 3 fois que je dis que je vous l'ai donné. Donc je vous l'ai donné. Je vous ai montré la déco. On a ouvert les calendriers. Ah, un petit bonus. Le petit dernier, puisque... Enfin, dernier pour moi. Hein. Il y en a peut-être d'autres qui se planquent dans les vidéos que j'ai déjà tournées. Je ne sais même plus où j'en ai mis. J'en ai mis moins que ce que je pensais faire, mais j'ai oublié beaucoup. Attendez, je reprends. J'avais noté un petit dernier mot que vous aimez bien. Après, il y en a plein d'autres que je n'ai pas pu vous placer, mais... Ah oui, gélifiée. vous aimez beaucoup quand je dis que je suis gélifiée. Alors, ce qui ne veut totalement pas dire que j'ai froid. Hein, on est d'accord. Enfin, moi, je le dis dans le sens j'ai froid. Mais à la base, le mot veut dire transformer en gel, en gélatine. Donc, ça n'a rien à voir avec le froid. Mais moi, ça me fait rire. Voilà, tout simplement. Oui, cherchez pas. J'emploie des mots bizarres, je sais. Et je... Soit j'invente des mots, soit je les utilise pas du tout dans leur contexte. Mais ça a toujours été un truc de fou. Voilà. Et bah écoutez, on va pouvoir clôturer le vlog. Là, je suis à 14 minutes, donc il devrait faire à peu près 1 heure. Donc ça va, quoi. C'est pas non plus... C'est sûr que comparé aux 1h20 de la semaine dernière... Ah oui, et ça fait... ça doit faire maintenant à peu près 1 an que j'ai appuyé la première fois sur la caméra pour faire un vlog, quand même. Mais officiellement, les vlogs auront 1 an dans le prochain. Voilà, donc on fêtera ça dans le prochain. Puisque je vous ai sorti le premier Vlogmas, justement, l'année dernière, le 24, le jour du réveillon, pour vous faire un cadeau de Noël. Et je pensais vous faire super plaisir. Bah, ça vous a fait super plaisir, hein, parce que je vois que vous aimez beaucoup les vlogs encore. Mais je pensais pas aimer faire les vlogs autant. Donc il disait toujours, jamais de vlogs sur ma chaîne. Et j'adore ça. J'adore vous prendre partout avec moi. J'adore papoter avec vous tous les matins. Alors oui, c'est assez redondant, mais voilà, j'ai pas de vie. Hein. J'arrête pas de vous le dire. Je fais rien de mes journées. Grosso merdo, c'est très rare que je fais quelque chose. Je bouge pas de chez moi, donc forcément, c'est très redondant. J'essaye quand même de vous donner du contenu assez varié de temps en temps. Mais c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Donc, je fais ce que je peux. Et apparemment, ça vous plaît quand même. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser là pour ce Vlogmas. Et on attaque le dernier. C'est déjà le dernier la semaine prochaine. Attendez, je vérifie. Je suis pas sur le bon mois. Oui, c'est déjà le dernier. Et après, on rattaque les weekly vlogs classiques de 2022, quoi. C'est toujours la même chose, hein, sauf que c'est le titre qui change. Hein, mais voilà, Vlogmas, ça fait plus classe à Noël, hein, on est d'accord. Donc, demain, la semaine prochaine, on attaque déjà le dernier vlog de l'année. Quoi. Un truc de fou. Et pour le haul Shein, je voulais programmer pour le 1er janvier. Donc, ce sera une vidéo bonus puisque ce n'était pas prévu du tout. Puisque normalement, vous avez le 31 et le premier vlog le 2. Et du coup, bon, bah, comme ça, ça vous fait le samedi dedans aussi. Je ne sais pas si j'aurai tout reçu puisque ma deuxième commande est marquée entre le 24 et le 27. Donc, mais comme ça, ça me laisse le temps de recevoir bah, les deux commandes et de filmer, de monter et tout ça. Mais je pense que je la tournerai en 2 parties de toute façon puisque moi, j'aime bien ranger. Dès que j'ai reçu les commandes, j'aime pas les laisser traîner.
Donc voilà. Mais je voulais programmer pour le premier, sinon si je les ai plus tard, ben ça sera plus tard, quoi. Mais au pire des cas, on se retrouve tous les jours jusqu'au 2. Et après, on reprend un planning un peu plus normal, quoique j'ai beaucoup de swatch and make-up à faire encore, que j'ai pas fini. Mais la première semaine de janvier, ça sera que 2 vidéos plus le vlog. Et après, j'essaierai de refaire 3 vidéos plus le vlog pour faire plus de swatch and make-up et tout ça, pour pouvoir ranger mes palettes parce qu'elles traînent et ça j'aime pas non plus. Voilà, voilà. Donc bref, sur ce, je vous laisse là. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de répondre à toutes les questions que je vous ai posées. Pour les participations bonus, c'est en formulaire que ça se passe. Je vous mets le lien, si je ne l'oublie pas cette fois-ci, en barre d'infos. Donc, vous cliquez sur le formulaire bonus et vous me notez le mot de passe, donc gélifié. Me les mettre en commentaire, ça, c'est trop compliqué pour moi de gérer pour le tirage au sort après. Donc, voilà. Et voilà, c'est tout. Donc, de toute façon, on se retrouve demain. Je vous ai donné le planning. Et donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.